Alors bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette dernière présentation des chefs de la saison. Alors je me présente, Denis Paquin, chef enseignant, membre de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. Alors ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette présentation. Les présentations de chefs ont été rendues possibles grâce à ce beau départ, une réalisation du marché public du Vieux-Saint-Jean, le tourisme Saint-Jean sur Richelieu et la région, de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean également. Et l'activité est rendue possible grâce à la contribution de Cuisimeuble, Canada français, la Société des chefs, Aliments du Québec, le MAPAC, la Corporation du Port Saint-Jean, la pépinière Jean-Cartier, l'assurance Paris et le Centre d'aide aux entreprises de Haute-Montérégie. Alors, ce sont les commanditaires qui permettent la réalisation de ces trois week-ends de présentation de chef. Alors, ça a été agréable pour nous, c'est malheureusement la dernière, donc on espère qu'on aura l'occasion de répéter cette activité-là. Aujourd'hui, pour clore la saison, donc on a la chance d'avoir avec nous M. Émile Béchard, du restaurant Bleu Marin, de la Marina ici à Saint-Jean, donc Marina La Nautique, pas très bien ici. Donc, bonjour et bienvenue Émile. La présentation de la recette aujourd'hui, c'est... Les raviolis de porc farcis. Dans le fond, c'est une recette d'un chef avec qui j'ai travaillé, que j'ai un petit peu transformé pour adapter, avoir plus d'aliments. Donc, pour commencer, on utilise le filet de porc, un filet de porc du Québec, que je tranche en petites, en quand même épais ici, que je vais venir aplatir pour faire mon ravioli. J'utilise pas le pâte alimentaire, j'utilise le porc pour faire ma pâte. Moi, j'utilise un rouleau à pâte parce que, après ça, tu peux venir aplatir ton porc pour avoir une couche plus uniforme, une pâte de la même épaisseur partout. Alors, le bon vieux rouleau à pâte, sinon, ce qu'on peut utiliser aussi, c'est un marteau à viande avec le côté plat pour voir attention à la force de frappe. Le filet de porc, déjà, c'est une viande qui est tendre, qui est fine, qui est délicate. Si on va trop fort, on va carrément passer à travers la viande. Alors, c'est pas l'objectif de chercher d'avoir finalement une fine couche de viande. Donc, mes raviolis, je les farcis avec un fromage de chèvre qui s'appelle le Vicheron, que je suis allé chercher à la fromagerie au Gré des Champs. J'ai des dépliants ici pour les aliments que j'utilise. Dans mon fromage, c'est un fromage qui est, comme je disais, de chèvre, c'est quand même doux. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de compote de pommettes à l'intérieur de mon fromage pour le rendre un petit peu plus crémeux pour pas qu'il fonde plus facilement à la cuisson. Je mets une petite quantité de fromage à l'intérieur. Il ne faut pas mettre trop de fromage parce que sinon le fromage va prendre toute la place et quand vous allez manger, vous n'allez pas apprécier autant le ravioli. Alors ici, selon les mille parts, c'est la question d'équilibre des saveurs. Alors ce qui est important, c'est un ravioli de porc au fromage. Alors le fromage ne doit pas prendre toute la place. On va trouver vraiment un équilibre au niveau des composantes de la recette. Donc j'ai refermé mon porc par-dessus mon fromage. Après ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient sceller, si on veut, un peu le ravioli en pesant sur les côtés pour rentrer les fibres de la viande ensemble. Là, comme vous voyez, il y a un petit peu trop de viande, c'est que je vais recouper un petit peu le ravioli. Et j'ai mon ravioli. Alors, avec les parures de viande, bien entendu, on les jette pas, on les garde, dépendamment
On peut les congeler facilement, les refuser dans un pain de viande, en viande hachée. On peut finir de couper en lanière, faire un petit sauté minute avec un émincé de porc. Donc, on récupère tous les surplus de viande. Et ça nous permet d'avoir vraiment une belle pièce de ravioli. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire, on va venir rissoler notre porc avec de l'huile d'olive. Il ne faut pas mettre trop d'huile d'olive dans la poêle parce que sinon ça va faire frire notre porc. Ça ne va pas faire une belle coloration puis notre porc va devenir caoutchouteux parce qu'il va être trop chaud. Durant la présentation, j'avais des questions, je ne vais pas poser des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Et à la fin de la présentation, on vous distribuera la recette que Émile vous a préparée. On veut une huile qui est bien chaude pour vraiment venir chercher une belle coloration dès le départ de nos raviolis. On va nous préparer quelques-uns d'avance parce que c'est quand même un petit peu de travail. Donc avec mes raviolis, ce que je mets comme accompagnement, c'est une compote de pommettes que j'ai fait cuire avec cidre de glace et que j'ai sucré avec sirop d'érable en fait. Je vais très bien sucré avec la cassonade ou avec le sucre, mais je trouvais que le sirop d'érable, ça donnait un petit plus. Ce qui est intéressant avec le sirop d'érable, je trouve, c'est qu'on va chercher ce petit côté sucré, on évite de trop en mettre. Si on en met trop, ça va liquéfier la compote, donc on ne veut pas ça. Et on va éviter d'avoir une viande qui est trop sucrée comme ça. Donc ça va donner un bon côté. Et avec l'acidité de la pommette, ça fait un beau mélange, une belle équilibre. Oui. Mais comme je disais, je l'ai fait cuire avec du cidre de glace. Le cidre de glace, c'est aussi un alcool qui est quand même sucré ici. Donc là, mon huile est bien chaude. Je vais déposer mes raviolis dans ma poêle. Alors, c'est important qu'on dépose les pièces de viande dans une poêle avec de l'huile, d'entendre ce grésillement automatiquement. Là. Si on n'a pas ça, c'est parce que l'huile n'est pas assez chaude et on va avoir des complications après ça. On assaisonne. Le côté assaisonnement, souvent, les gens disent on assaisonne ça avant la cuisson, pendant la cuisson ou après la cuisson. Tout ça, c'est très variable. Personnellement, moi, je ne préfère pas trop crémer ça en France, mais je préfère assaisonner au moment de la cuisson comme telle, ce qui donne un bien meilleur goût aux aliments. Si on assaisonne après cuisson, c'est pas la même chose et ça goûte facilement le sel après cuisson. Alors que là, le sel va vraiment jouer son rôle de faire ressortir la saveur des aliments. Par contre, c'est sûr que assaisonner votre sel à 10h le matin puis vous cuisez à 6h le soir, non, là, c'est pas déconseillé. Donc là, mes raviolis sont bien saisis, on a une belle coloration, on va les retourner. Un autre détail, j'ai vu, avant de les retourner, il attend que ça cuise, il attend que ça colore, pour éviter de vouloir bouger et tourner tout de suite les aliments. Que ce soit des légumes, que ce soit des viandes, il faut toujours donner le temps aux aliments de colorer avant de les tourner. Comme ça, vous n'avez pas sûr, ça ne colorera jamais. Et vous voyez, la cuisson elle est très rapide. Oui, le porc est très mince, alors ça ne prend pas beaucoup de temps de cuisson. Ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr que votre fromage soit bien fondu, c'est de sortir vos raviolis un peu en avance et laisser température pièce le temps qui t'empêche justement que le fromage ne soit pas trop froid non plus quand on va les faire cuire. Une question qu'on nous posait ce matin tout le bonheur, c'était est-ce qu'on pourrait les préparer et les congeler? Et la réponse est oui, c'est un produit qui se congèle très bien. Alors on les congèle et comme Émile disait, c'est important de les congeler sur une plaque pour que je les vraiment individuellement. Et une fois qu'ils sont bien congelés, là, les mettre en vrac dans un sac. Et lorsqu'on veut les utiliser, les dégeler, 10-15 minutes sur le comptoir, c'est dégelé, c'est prêt à cuire et ça facilite le travail, la préparation. Thank you.
pas les vernis. Pas les vernis, comme ça tout le monde va en avoir. Comme on peut voir, c'est une petite recette simple, pas très compliquée, qui demande un petit peu de mise en place. Et quand vous recevez des gens à la maison, c'est simple, c'est vite fait, c'est vite préparé. Oui, vraiment. Pour une entrée, moi, je vous conseille d'en mettre pas plus que trois, parce que vous allez trouver, avec le fromage, que ça va être trop lourd comme entrée. C'est important aussi de ne pas mettre trop de fromage, comme je disais tout à l'heure, pas juste parce que ça va tout prendre le goût, mais aussi parce que ça va donner trop lourd, puis vous allez dire, vous aurez faim après, vous allez dire, je suis bourré, je suis plus capable de manger. Vous servirez ça avec un riz? Ça dépend. En entrée, je ferais une petite salade, mettons, ou comme là, je l'accompagne de ma compote de pommettes. Mais comme plat principal? Plat principal, oui, riz, légumes, des légumes sautés. C'est pas bon, ça sert. Oui. C'est la même chose avec le veau. Oui, c'est la même chose de faire avec le filet de veau. On peut la faire chauffer. Ça servir tiède, une température tiède. Sinon, je la fais pas chauffer, mais c'est sûr que tiède, ça pourrait être très bon aussi. Alors, le choix de viande peut varier. Donc, veau, bœuf, dindon, poulet. Il faut juste faire attention, quand on mange, qu'on écrase, la viande, vous avez remarqué, il y a toujours des tils, et il faut toujours pencher en sens contraire. Donc ça, le petit morceau, des tils sont debout. Quand on va écraser, ça s'écrase facilement, ça s'étend facilement. Si vous avez une viande qui est tranchée, mettons une pièce de bœuf, penchée sur le mauvais sens, sur la longueur, des tils sont en longueur, si vous voulez l'attraper, vous n'y arriverez jamais. Ça va rebondir. Alors, c'est important de trancher sur le bon sens de la viande. Et on peut le faire avec n'importe quelle sorte de viande. Donc pour ma sauce, une sauce que je vais faire à la au sel de glace, avec de la demi-glace. Pour commencer, dans la même poêle, je vais venir suer un petit peu les échalotes ciselées. Parce que vous remarquez, en règle générale, on travaille beaucoup avec l'échalote sèche ou l'échalote française. Ça fait la même famille que l'oignon, sauf que beaucoup moins d'aspecté, beaucoup plus doux, beaucoup plus fin comme goût que l'oignon comme tel. On peut très bien travailler avec l'oignon aussi, mais l'oignon rouge, oui, mon l'oignon rouge, oui, d'abord. L'oignon rouge, oui, mon rouge, d'abord. Ça rapproche un peu plus de l'échalote. Donc, une fois qu'on a bien fait suer ça, on va venir déglacer avec notre type de glace pour faire la sauce. On va laisser réduire notre type de glace un petit peu pour concentrer la saveur et pour faire évaporer un petit peu l'alcool qui est à l'intérieur. Alors, au niveau de l'alcool, il faut être conscient que lorsqu'on fait des déglaçages, des réductions, que ce soit avec un cidre, un vin, un cognac ou autre, l'alcool disparaît. Donc la première chose qui part en évaporation, c'est l'alcool. Donc ce qui nous reste, c'est le liquide avec le goût particulier du produit qu'on a utilisé. Alors les sauces ne sont pas alcoolisées comme telles, parce que plus l'alcool s'est évaporé automatiquement. Et le fait de réduire comme ça, ça permet de concentrer, comme il le disait, les saveurs, donc d'aller vraiment chercher le maximum. Et ce qu'il a fait, c'est un déglaçage, donc la coloration des pièces de viande, donc les sucres de la viande qui ont rissolé dans le fond de la poêle, et on les a fait garder, on n'a rien fait. Alors c'est là qu'est tout le goût, c'est ce qui va vraiment donner le goût particulier à la sauce, tous ces sucres qui sont caramélisés dans le fond de la poêle. La même chose comme du poulet rôti, j'ai souvent vu des gens qui font un beau poulet rôti à la maison, ils sortent le poulet, mettent tout ça à laver, puis là ils font une sauce en enveloppe. Alors que tout le goût du poulet, c'est tout le rôtissage dans le fond. Alors, c'est juste de faire chauffer un peu le truc, enlever le gras et faire notre sauce avec ces sucres caramélisés.
Donc pour la sauce, j'utilise une demi-glace que j'ai faite moi-même. C'est sûr que vous ne pouvez pas vraiment en faire à la maison, là, c'est quand même beaucoup de travail. Puis en vente, si vous allez au hall, aux trois continents, il y en vend des petits pots que vous pouvez utiliser, puis ça va faire le même travail que j'ai fait. Oui, Aymine, au Brumaire, quelle sorte de cuisine vous faites là-bas? Pour la cuisine française, il y a beaucoup de fruits de mer aussi parce que c'est le bord de l'eau puis c'est la spécialité de la fruits de mer du poisson. Et c'est un restaurant de Marina, mais ouvert à l'année. Ouvert à l'année, exactement. Donc une fois que notre site de glace est bien réduit, on ajoute la demi-glace. Donc on laisse réduire ça encore un petit peu. On va venir à ces amis aussi. Vous voyez, c'est une petite recette très simple, pas très compliquée. Qui se fait facilement, assez rapidement. En moins d'une demi-heure, la recette s'est faite. Bien entendu, comme toujours en cuisine, ça demande la préparation de quelques éléments à l'avance. Mais quand ces éléments-là sont faits, ça arrive le temps d'exécuter la recette. C'est ça. Ça se fait facilement, très rapidement. On parlait d'accompagnement tantôt, c'est une question de goût comme telle. C'est important de jouer la couleur dans l'assiette, donc choisir des légumes, 2, 3, 4 légumes. Aujourd'hui, on dit qu'une assiette devrait être composée à 50% de légumes. Donc, faut pas gêner sur les légumes. Là, c'est le temps des betteraves, faire une purée de betteraves, ça donne énormément de couleurs avec des beaux haricots verts, un beau brocoli. Donc, on joue beaucoup la couleur. Et ici, au niveau d'entrée, avec la compote de pommettes, c'est très rouge, ça ajoute aussi beaucoup de couleurs. Et si on regarde au niveau du dressage de son assiette, comme élément de complémentaire au ravioli de pommes comme tel, il y a un peu de compote de pommes à l'intérieur, donc on va chercher de la compote de pommes comme élément complémentaire au niveau de la présentation. Et voilà. Donc voilà une belle petite entrée, vite faite, simple, agréable, et vous allez sûrement avoir plaisir à apprécier. Alors, ça complète la présentation de la recette d'Émile. Donc, merci beaucoup, Émile. On va se mettre en place, le temps de préparer. Donc, ça complète, c'est la dernière présentation de la saison des recettes du chef. Donc, on a eu la chance d'avoir trois chefs différents sur les trois semaines. Tout à l'heure aussi, on nous a demandé si on pouvait changer le fromage qu'on met à l'intérieur. C'est sûr que si vous n'avez pas le fromage de chèvre, vous pouvez changer de fromage, vous pouvez mettre un gris ou n'importe quoi, mais ça doit être un fromage qui est plus crémeux pour qu'à la cuisson, il puisse fondre correctement, qu'il reste une belle texture en bouche avec le pomme. Un autre élément aussi, on demandait comme accompagnement, donc au niveau des légumes, on a l'embarras de choix. Au niveau des féculents, mon pomme de terre, riz, la même chose. Un féculent qu'on ne pense pas souvent d'utiliser, c'est la semoule couscous. Alors, sinon, habituellement, la proportion, c'est 100%, c'est-à-dire pour une tasse de semoule, une tasse d'eau bouillante, 5 minutes, et c'est prêt. Alors, c'est excellent, c'est agréable à manger, c'est différent. C'est même un peu moins lourd que la pomme de terre comme celle. Et ça se fait dans le temps de vie. Pomme de terre, c'est dans le temps des peler, des cuire, des transformer. Alors que la semoule, dans 5 minutes, c'est prêt. Thank you.
Oh my God. Oui, on va vous les distribuer à ce parfum-là. Josie? Ah, elle est là. Donc, si vous avez recette. Ah, voilà. Alice, Alice, tu fais goûter dans ta main. Thank you.